Vous avez la Air Max. Ah, c'est Adidas, désolé. Ok, ça marche. Yo les bimors et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez me voir aborder une Renault. Je vois déjà certains derrière leurs écrans qui sont comme ça. Évidemment, je sais que bon nombre d'entre vous ne le savent pas, mais je lis tous vos commentaires. Évidemment, vous avez été nombreux à m'envoyer des commentaires comme quoi « Mec, tu n'abordes jamais des Renault. Mec, pourquoi tu n'abordes pas des filles blagues ?» Il y a même certains qui se sont fâchés. « Mec, ce mec, il n'aborde jamais des filles blagues. Si je le rencontre dans la rue, je vais niquer sa gueule. » Non, les mecs, ne niquez pas ma gueule, s'il vous plaît. Donc, sérieusement, dans cette vidéo, j'aborde une Renault et vous allez voir que dès la première minute de l'interaction, je crée de l'intérêt. Pas parce que j'utilise des techniques ou quoi que ce soit, mais grâce à ma vibe, grâce à ce que je dégage. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a énormément d'entre vous qui m'ont dit « Mec, tu rigoles beaucoup. Mec, tu es trop de bon, tout le temps, tu es de bonne humeur. » Mec, ça, c'est ma force en fait. J'ai suffisamment travaillé sur moi pour savoir à peu près qui je suis et qu'est-ce que j'offre à des personnes? Quelle est la valeur que je peux offrir à des personnes? Quelle est la valeur que je peux offrir à des filles que j'aborde en fait? Moi, je dégage une très bonne vibe. Et je sais comment dire, je sais rassurer la fille. Certaines filles, généralement, on va les aborder et vont prendre peur. Pourtant, moi, je viens avec ma vibe, je viens avec mon sourire, je viens avec mon rire. Évidemment, je parviens très facilement à rassurer des filles. Donc, sérieusement, ce qui peut être des défauts pour certains peuvent être des qualités pour d'autres personnes. Tout ça, c'est la raison pour laquelle je vous dis tout le temps, c'est qui séduit généralement les gens, les femmes, les gens que tu approches dans la rue, au travail, c'est ton état d'esprit, c'est pas forcément les techniques que tu utilises. Donc du coup, si ça, on va fermer la parenthèse. Je sais pas si vous avez remarqué, on a près de 8000 à plus de 8000 abonnés, bientôt 9000 dans, je crois même dans quelques minutes, dans quelques secondes. Mais j'aimerais que pour cette vidéo, mec, on explose la barre des 10000 abonnés. Je sais qu'on en est capable et surtout, je tenais sincèrement à vous remercier parce que j'estime que j'ai une très bonne et belle communauté. Donc sérieusement, merci. Je ne sais pas si vous réalisez, mais à chaque fois que je lance une vidéo, à moins de 10 vues, je suis déjà à près de 20 pouces bleus en fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ça, merci, sérieusement, merci. Sans en parler de vos commentaires bienveillants, vos remerciements, ça me touche profondément. Donc, j'aimerais que pour cette vidéo, sérieusement, on explose la barre des 10 000 abonnés. Donc, déjà, commencez à vous abonner, commencez à mettre Marx au pouce bleu, à partager la vidéo. Un truc que je n'ai pas l'habitude de lui dire et qui est vraiment dommage, c'est que je ne vous demande pas suffisamment d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis ces dernières semaines, je balance des vidéos à fond. Évidemment, mon but, c'est vraiment de vous satisfaire dans un premier temps, dans la qualité des caméras cachées, dans la qualité de la valeur que vous pouvez tirer en caméra cachée et aussi la face conseil. Il y a énormément de vidéos en face caméra comme ça où je vous donnerai des conseils avec des petits extraits de caméra cachée. Donc, sérieusement, active la barre des commentaires et tu ne vas rien rater, tu ne vas rien louper. Donc, ça, c'est mon objectif. Donc, et tout le temps, je suis en train de lire vos commentaires pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et aussi, n'hésitez pas à me dire quelles sont les vidéos que vous aimeriez vraiment voir, quelles sont les vidéos que vous aimeriez vraiment regarder qui pourraient vous donner de la valeur. Évidemment, je vais maintenant m'inspirer de ces commentaires-là pour vous apporter évidemment plus de valeur. Parce que une fois de plus, je vous redis, mon objectif, c'est qu'on avance tous ensemble, on atteint nos objectifs tous ensemble. Et mec, je suis sûr qu'on en est capable. 2020, c'est l'année du feu. Sérieusement, ne l'oubliez pas, c'est l'année du feu. Donc, sur ce, mec, qu'est-ce que... Et je vous l'avais promis, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, à chaque nouveau palier, comme là, je vous fais confiance, je sais qu'on va atteindre la barre des 10 000 abonnés pour cette vidéo. Maxi, dans le jour qui va suivre, c'est quoi le cadeau? C'est que pour les 5 commentaires tirés au sort, donc déjà commencez à balancer vos plus beaux commentaires, d'accord? Pour les 5 commentaires tirés au sort, vous allez recevoir le livre « Conclure au premier rendez-vous ». Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre en fait? Parce que j'ai l'habitude de parler un peu, mais j'ai l'impression que vous ne cernez pas réellement la valeur qu'il y a dans ce livre. Dans ce livre, mec, je vous apprends à gérer vos premiers rendez-vous like et boss. Vous gérez vos premiers rendez-vous comme des grands. Ne plus jamais louper la fenêtre de tir. Vous savez, quand vous allez en rendez-vous avec une fille, vous avez vraiment une fenêtre de tir. Quand vous avez pu mettre la fille à l'aise, quand vous avez pu mettre le confort dans l'interaction, dans le premier rendez-vous, vous avez une fenêtre de tir. Qu'est-ce que vous pouvez embrasser la fille? Qu'est-ce que vous pouvez vraiment ramener? Et ceux qui loupent
ces fenêtres de tir, vous allez voir que bon nombre de fois, vous ne revoyez plus la fille. Elle arrive chez elle, vous envoie un message, elle ne répond plus. Et c'est nex, c'est silence radio. Pourquoi? Parce que, et c'est un truc que bon nombre, les mecs, on a souvent tendance à l'oublier. C'est que des filles, elles voient plus loin que des mecs. Et j'explique vraiment ça dans ce livre, en fait. Des filles, elles voient plus loin que des mecs. Une fille qui va en rendez-vous, elle a déjà visualisé, elle sait déjà à peu près si elle va coucher avec ce mec, si elle va se mettre en couple avec, si il y a possibilité qu'elle se mette en couple avec ce mec ou si elle va embrasser ce mec. C'est l'une des notions que j'explique dans ce livre et il n'y a que de la valeur dedans si c'est bon visionnage. Est-ce que vous avez la Air Max? Ah, c'est Adidas, désolé. Vous saviez. Je m'appelle Urich. C'est parce que tu manges un Kinder. C'est parce que tu manges un Kinder. Et je me dis qu'on est compatible, toi et moi. Ah bon? Ouais. Tu t'appelles comment? J'ai pas souvent ce réflexe. J'ai pas souvent le réflexe de regarder le bas des employés. Ouais, ouais, non. Ouais. Ah, d'accord. Et tu kiffes bien ce que tu fais? Je suis là pour mes études. Hein. Ah, d'accord. Ça va, je kiffe, mais pas dans ça que je travaille. Ah, c'est plus un stage qu'autre chose, non, en fait. Non, je suis en CDI ici, mais c'est juste pour financer mes études. Ouais. Une fille super consciencieuse, très, très, très consciencieuse. Ouais, c'est important ouais. D'avoir un sens des priorités. Ouais. C'est ce on croirait écouter ma mère, attention. Hein. Ah non, j'ai pas l'âge d'être ta mère. Qu'est-ce que tu en sais? Ah, je sais, t'inquiète pas, j'ai pas ouais. L'âge d'être ma mère. Parce que je pense que tu dois avoir quoi? Tu dois avoir 20 ans. Exactement. Ouais, je suis trop fort. Ouais, 20 ans. Ouais. Et tu me donnes quel âge, toi? Parce que quand tu m'as vu, tu as voulu me vous voir, donc... Ouais, 28. J'aime trop. Non, je suis beaucoup... Je suis en dessous, mais je ne te dirai pas qu'elle a beaucoup plus en dessous. Beaucoup comme ça, plus je, ouais, comme ça, je pourrais laisser un certain mystère. Et quand on se reverra la prochaine fois, peut-être je te dirai. Ok, ouais. Pas de soucis. Tu es de quelle région? Je suis haïtienne. Ah, d'accord. Ouais. Si toi aussi tu aimerais aller plus loin dans ton développement personnel, dans ta séduction, tu aimerais apprendre à séduire, apprendre à faire des meilleures rencontres, peu importe où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, que ce soit dans ton lieu de travail, dans la rue, dans un café, quand tu vas boire un verre, en boîte de nuit, quand tu sors avec des amis, pouvoir aborder et séduire des filles qui te plaisent vraiment. N'hésite surtout pas à m'envoyer un mail sur contact@bimoattractif.com. La vérité c'est que aujourd'hui, je veux travailler avec des gens vraiment motivés. J'ai plus beaucoup de temps en fait. Donc, je me dis, si je dois travailler avec des gens, ça va être des gens vraiment motivés qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils veulent atteindre, qui savent qui ils veulent devenir dans 3, dans 4, dans 5 ans. Et après, le fait qu'on ait vraiment travaillé ensemble. Donc, si vraiment tu es motivé, si tu es intéressé, si tu as la niaque, envoie-moi un message et je te coacherai et on va atteindre ces objectifs vraiment ensemble. D'accord? Pour savoir. Okay. Parce que j'aurais pu dire ivoirienne qu'autre chose. On me l'a souvent dit celui-ci, mais non. Tu fais un peu ivoirienne. C'est un compliment. Ouais, généralement, elles sont très jolies, les ivoiriennes. Bon, bah alors, je te remercie. Hein. Les haïtiennes, j'en ai pas rencontré beaucoup. Je me rappelle juste au lycée, il y avait une dans ma salle de classe, mais après, j'en ai pas rencontré beaucoup. Okay. Ouais. Mais si elle était comme celle-là, je pense que les haïtiennes aussi sont très jolies. Ça, franchement, ça dépend. Hein. Ah, il y a des extrêmes partout, honnêtement. Ouais, je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu penses des mecs haïtiens? Non, t'aimes pas? C'est plutôt la mentalité. Ah, okay. Je suis pas très physique, mais la mentalité, la manière de. Ouais. T'as vu, ça fait un deuxième point en commun entre toi et moi. Ah ouais? Ouais. Non. Et t'habites où? J'habite pas du tout là. J'habite très très loin. Je t'écoute, surprends-moi. Le Tillet, tu connais? C'est quoi, 7-7, 7-8? 95. Ah, ça va, c'est pas hyper loin. Ah, avec les prairies, les vaches. Exactement. Ouais. Ah, ouais, c'est ouais. Exactement. Donc, quand tu arrives à Paris, tu es comme ça pour enlever. Non, ça va, quand même. Je prends des transports. Il y a un bus au moins. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très éloigné. Il n'y a pas de gare déjà. Ouais. Donc, voilà. Ok. Moi, je ne vais pas t'aider à partir, mais tu m'as l'air sympathique. Ouais, je suis gentille. Ouais. Franchement, je suis gentille. Ok, regarde. On va rester en contact. Comme ça, on pourra éventuellement. On pourrait éventuellement, un de ces quatre, quand on a le temps, se prendre un petit ouais, verre, du moins. 0,7, 82. Tu n'as même pas demandé mon prénom, donc je suis un peu choquée. Ah oui, pardon, excuse-moi. Et toi, tu t'appelles comment? Mais je te l'ai dit, tu l'as vu.
Ok. Un message avec toi. Ok, ça marche. Ulrich. Ouais. Au cas où il y a peut-être tu as discuté avec quelqu'un qui a pris ton numéro à Adidas, parce que je pense que vous vous faites énormément aborder, je pense. Je ne sais pas tout le monde. Ok. Je me sens privilégié. Ouais. Je me sens. T'as bien raison de te sentir privilégié. Ouais. Ouais. Ok. Et vous, tu finissais d'habitude à quelle heure? Moi, à quelle heure je finis? Ouais, tu finis d'habitude. En général, je ferme le magasin. Ah, d'accord. Ouais. Conseil qu'on ne pourra pas prendre un verre après la fermeture un jour. Franchement, moi, sortir, c'est pas... J'ai à vous fermer, je pense, à 20h30, je pense. C'est ça. Moi, c'est quand tes jours de repos, d'habitude? Ben, quand je suis en repos, je suis à l'école. Non, tu es vraiment une fille super... Non, franchement, j'ai pas de jour off, pour être honnête. Ok, de toute façon, on trouvera un créneau. Non, de toute façon, tu passes et puis, okay. On verra ce qu'on peut faire. Voilà. On dirait qu'elle est en train de me vendre une paire de baskets. Ok, ça marche. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Je t'en prie. Du courage. Si tu veux aller plus loin, ça serait vraiment dommage de ne pas télécharger les deux vidéos que j'ai créées. Elles sont gratuites en fait. Dans ces deux vidéos, dans la première vidéo, je te parle du bon état d'esprit avant une interaction, avant une rencontre et durant l'interaction. Parce que j'ai l'habitude de lui dire, ce qui séduit réellement les femmes, c'est ton état d'esprit. Dans la deuxième vidéo qui est un peu plus longue et qui est chargée de valeur, dans un premier temps, j'aborde un groupe de deux filles en fait. Et je commente cette phase abordage de A à Z, du début de l'abordage jusqu'à la fin de l'abordage. Évidemment, qu'est-ce que tu tires en regardant cette vidéo? Dans cette vidéo déjà, je sais qu'il y a énormément d'entre vous qui ont peur d'aborder des groupes. Tu pourras voir que ce n'est pas ouf, ce n'est pas sorcier d'aborder un groupe. C'est aussi simple que ça. Et aussi, tu pourras voir comment je dis chaque chose et comment je le dis et à quel moment je le dis. Comment évidemment je parviens à inclure l'autre dans la conversation, comment je parviens à mettre de la vibe dans l'interaction. Et en deuxième, toujours dans cette vidéo, la deuxième interaction, j'aborde une très grande et jolie fille. Je pense qu'elle est même plus grande que moi. Tu vas voir comment dès la première seconde, je parviens à la mettre à l'aise. Elle se met à sourire, à me regarder avec des yeux qui pétillent. Donc, je te dirai pourquoi je dis telle chose et comment je le fais. Dans ces deux vidéos super intéressantes, qui serait vraiment dommage de ne pas les regarder si tu veux progresser, si tu veux vraiment te développer, que ce soit en développement personnel ou en séduction. Je mettrai le lien dans la description. Tu auras juste à cliquer et regarder si tu veux ou télécharger ces vidéos. You make me move, you make me dance, you make my